Et bonjour à tous, c'est Capitaine Flamme et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de cette nouvelle saison qu'on va appeler Capi dans le Jurassique. Donc comme je l'ai dit dans le premier épisode explication, enfin présentation du mode en fait, donc c'est un mode qui s'appelle Fossil and Archaeology. Donc c'est un mode qui permet de rajouter des dinosaures et tout un mode de jeu par rapport à ça qui nous permet de revivre en fait le Jurassique, qui était l'époque des dinosaures, pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc la map, je viens juste de la générer juste avant, parce que je cherchais juste des seeds, donc des maps pré-générées avec un code, où le démarrage était pas dans une forêt ou quoi, donc j'ai juste... Voilà, j'ai démarré, j'étais ici, là à peu près. J'ai fait comme ça, j'ai avancé un petit peu et oh, je me suis mis devant l'arbre. Juste pour, enfin, j'ai pas visité du tout, je sais pas comment la map est. Enfin, c'est pas pour dire que j'ai pas modifié la map ou quoi avant n'importe comment. Enfin voilà. Enfin même, enfin, je sais pas vraiment le but de la série. Je vois pas trop pourquoi j'aurais fait ça. Donc on commence bêtement comme dans toutes les aventures. Ah oui, pardon, j'ai oublié de mettre en easy, hein, parce que sinon la map, si je joue en peaceful, ça va pas être très marrant. Ça va rajouter un peu de suspense, même si je vois pas trop comme suspense qu'on peut avoir, mais bon, c'est pour le principe. Donc il y a pas mal de cochons, c'est bien. Très qu'il y ait au moins trois. Oh, il y a vachement beaucoup de cochons. Bon ben, on va se faire une épée vite fait. Comme ça, on aura un peu de viande pour la première journée. Allez, viens ici. Il court dans tous les sens, ces cochons, c'est exceptionnel. Allez. Là donc en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'épisode avant, je l'ai tourné en HD. Donc c'est quoi HD? Bah, avant en fait, je tournais la vidéo en 360p. Donc c'était du 640 sur du 480, je pense. Mais quand je faisais le rendu, je le mettais en 1000, enfin en HD, en 720p. Et maintenant, ben, c'est enregistré directement en 128, enfin en R, je vais arriver, en 720p. Donc la qualité devrait être vachement meilleure pour vous. Et niveau son, ben, j'ai emprunté le micro de mon frère. Je lui ai prêté mon Triton parce que là, ça va être une petite semaine. Donc j'en ai profité pour lui emprunter son micro et pas me trimballer avec le Triton, avec tous les câbles et tout. Donc voilà. Donc le son, enfin j'ai vu que dans les commentaires de l'épisode, enfin du premier, que les gens trouvaient que ma voix était vachement mieux comme ça. Donc je vais essayer de m'arranger avec lui pour qu'il me le prête plus souvent. Et c'est vrai que quand j'ai fait quoi 3-4 vidéos aujourd'hui, parce que franchement quand je voyais la qualité du son, ben, franchement ça me motivait, j'avais vraiment envie de continuer à tourner. Donc on va prendre ça et on va aller se planquer dans les montagnes, parce que la nuit va bientôt tomber. On va replanter ça un minimum. Oh ben on va aller là-bas, il y a déjà du charbon, c'est bien. Je vais essayer de vite rentrer à l'intérieur. Voilà. Et voilà, on est à peu près tranquille normalement. Ah, je vais vite. Moi je vais vous faire tout de suite des torches. Enfin, je vais agrandir un peu ça. Voilà, comme ça vous devrez voir déjà un peu mieux. Donc désolé, hein, c'est le début d'aventure, comme à chaque fois, c'est pas très amusant à regarder, même si moi personnellement quand je regarde des vidéos de Minecraft, ça me dérange pas de voir les gens galérer au début. Et ça par contre, j'aime pas. Du gravier partout, je supporte pas cette matière. Donc on va,
je vais miner cette partie ici. Ouais non, je vais pas faire une ellipse. Pas au premier épisode. Peut-être plus tard quand je devrais farmer de la cobble ou quoi, bah, je ferai soit des avancées rapides, soit des ellipses. Je verrai bien. Voilà, comme c'est le début de l'aventure, je vois pas l'intérêt de le faire. Oups. Voilà, en fait j'ai arraché le fil du micro sans m'en rendre compte. Ça, je m'en suis rendu compte pas trop tard. J'ai pas parlé trop longtemps. Est-ce que je pète au-dessus? Non, on va reboucher ça à l'arrache. Par contre, je vais prendre le charbon et je vais refermer tout autour. Donc en fait, comment ça va se passer? Ben en fait, le début de l'aventure, ça va être une aventure normale, sans but bien précis. Et ensuite, dès qu'on pourra se faire une pioche en fer, eh ben on va partir à la recherche de fossiles qui va nous permettre de créer un analyseur, que ça s'appelle. Et l'analyseur, grâce à des fossiles, on va pouvoir, on va pouvoir trouver du DNA de dinosaures. Donc c'est de l'ADN, hein, littéralement, c'est juste le mode qui appelait ça DNA. Et avec ça, on devra créer un cultivateur qui, lui, encore une fois, avec des fossiles plus l'ADN des dinosaures, va nous permettre de créer des œufs de dinosaures. Et ensuite, il faudra qu'on lui fasse un enclos, un feeder, que ça s'appelle, c'est une réserve à nourriture, si vous voulez. On va essayer de le tuer, parce que lui, il m'énerve. D'autres, parce que je voudrais pas qu'un zombie nous tombe sur la tête. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est première chose, ben là bon, je vais faire un lit, hein, comme j'ai déjà 3 laines. On va dormir, puis après, ah non, d'abord je vais faire un four pour faire cuire la viande. Voilà. Bon, mais notre petit lit là, il faut une deuxième torche pour que ce soit bien éclairé. Et on va dormir s'il veut bien, voilà. Donc niveau durée d'épisode, bah, je vais faire un peu comme je le sens. Hein. À mon avis, je serai à chaque fois une vingtaine de minutes. Qu'est-ce que je dois faire alors? Il me faut une épée. Moi, je vais faire une pelle et une hache. Voilà, je me fais les outils de base. Donc on devrait un peu mieux répartir tout ça. Parce que, comme vous savez, j'aime pas quand c'est un bordel. Voilà. On va prendre notre bouffe. Et on est parti. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est trouver une grotte naturelle ou quoi, parce que j'ai pas envie de faire du minage optimisé. Pour essayer de trouver des ressources et du fer, c'est le fer qui nous faut en premier lieu. Parce que j'ai déjà fait, comme je vous ai montré dans le premier épisode, j'ai déjà joué un petit peu avec le mode, pour comprendre un minimum comment ça fonctionnait, parce que si je démarrais à zéro, ça allait pas être très intéressant. Va toi le petit creeper. Ouais, pète-toi la gueule. Non, ne pète pas. Merci. C'est gentil. Donc. Là. Il y a du charbon. Bouge-toi le cochon. Bon bah tant mieux. On a cassé l'épée. On va pouvoir utiliser la nouvelle. J'aimerais bien grimper, s'il vous plaît. Voilà. Ça va, il y en a plusieurs.
Non, je le sens pas par là. Je le sens bien par là plutôt. Ouais, moi je vais aller par là. On va bouffer. J'aimerais bien un peu de viande d'avance. Parce que si on n'en a pas pour le reste, ben après, si on tombe sur une grotte ou quoi, faudrait que je revienne faire tout cuire tout ça. Ouais, on va d'abord se prééquiper et puis après on ira à la recherche avant de partir trop loin parce que c'est comme ça qu'on meurt bêtement. Voilà. Ouais, 6 côtes, c'est pas mal. Par contre, c'est où la maison? Là-bas. J'étais plus très sûr d'où est-ce qu'on avait habité. Donc je vais me faire un petit pilier avec une torche au-dessus. Je me rappelle de ça, c'est au tout tout début que je jouais à Minecraft, je regardais les vidéos de tuto de Fantasio, et c'est lui qui nous avait dit pour retrouver facilement notre maison, c'est de faire une sorte de tour, comme ça, une fois qu'on l'aperçoit de plus loin, ben on peut la... on sait que c'est pas long. Oula. J'ai appuyé sur la touche drop sans faire exprès. Et l'épée, elle a volé un coup. Ce que je vais faire aussi, c'est me faire des pioches d'avance, parce que ça, à chaque fois que je pars quelque part, je me retrouve toujours à court de pioches et je dois revenir bêtement à la maison pour refaire ça. C'est pas très intelligent. Voilà, la flèche. Oh, la maison, je crois qu'on peut la laisser ouverte, hein, c'est pas trop grave. Allez, je vais encore en prendre deux. Non, encore celui-ci, puis après on y va. Voilà. Par où j'avais dit qu'on irait? Dans le sens des arbres. Voilà, par là. Oh, j'entends un zombie. Je sais pas d'où ça vient. Ça vient peut-être d'en dessous, il y a peut-être sûrement une caverne ou quoi. Merde, je viens de me péter les jambes. Ah ben, il y a du charbon, ça c'est bien. Charbon, 5. Est-ce qu'il y en aura plus? Bon bah déjà 5 c'est pas mal. Ah! Vous avez vu ce que j'ai vu? Une fucking creve. Ouais, c'est une... Oh là 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 là. Oh, une crevasse avec une mine. Génial. Eh ben là, franchement, je pensais pas que je tomberais là-dessus aussi vite parce que enfin, quand je joue souvent en solo, ben, je galère au début pour trouver des grottes et tout ça. Et là, elle a l'air assez monstrueuse. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Comme ça, on mettra pas trop de temps avant de commencer à chercher des dinosaures, parce que quand même le but de la série, ben, c'est de se reconstruire un mini Jurassic Park, hein, qu'on va appeler ça. Donc au début, on va commencer avec un dinosaure, parce que vous allez voir, c'est ah, ben, du fer, ça c'est super. C'est abusé la viande qu'ils ont besoin de bouffer. Parce qu'en plus, dans le mode, il y a des dinosaures qui sont herbivores, il y a des dinosaures qui sont carnivores, et il y en a qui sont omnivores, donc ils bouffent autant des plantes et de l'herbe que de la viande. Donc c'est un mode vraiment complet. Moi j'aime vraiment bien. Et moi qui cherchais justement un concept un petit peu original, ben franchement à ce niveau-là, je suis... Ah voilà. Donc ça en face que vous voyez, la genre de stone un peu brouillée, ben ça c'est des fossiles. Donc c'est ça qu'il faut casser avec une pioche en fer. Parce que si on le pioche avec autre chose, ben ça va la casser. Par contre j'ai peur que si je pioche ça, il va se péter la gueule. Comment je vais faire? Je vais aller par là, par l'intérieur. Avec un peu de chance, il tombera pas. Yes, je l'ai eu. Donc il nous faudrait... Donc... Oh, merde! Ouf, je me suis rattrapé à peu près dans l'eau. Bon, je suis assez... je me suis encore pété les jambes. Super intelligent, bien joué, Capi.
Par... Oh mais ça va, il y a plein de fossiles, c'est bien ça. Il nous faut primordial du fer. Puis après, quand le soleil commencera à se coucher, on va essayer de remonter, on fera tout fondre. Et dès demain, alors, dès le deuxième épisode, on pourra commencer à venir chercher des fossiles. Ah, par contre, ça, ces blocs-là, c'est des blocs. Donc celui-ci, c'est un bloc de glace. Et ça se propage, et ça, c'est des blocs glacés, si vous voulez. Et les blocs de glace, quand on les casse, bah, je vais vous montrer ce que ça fait. Ça nous donne une ressource aléatoire du mode. Donc là, ça m'a donné des graines de fougère. Donc c'est une plante que les dinosaures mangent. A l'air d'avoir pas mal de monts par là. Ah ben. Un zombie. T'es mort. Combien est-ce que j'ai de fer? 6. Là, il y en a encore. Une petite dizaine pour commencer, ce serait pas mal. Soit je me fasse une épée, une pioche, et que j'en garde un peu pour faire l'analyseur. Parce que pour faire l'analyseur, il faut un fossile de chaque sorte et 4 barres de fer. Donc il faudrait en trouver une dizaine, ce serait pas mal. Là. Je vais m'aventurer un petit peu par là pour voir ce qui se passe sans tomber dans la lave, bien sûr, ce serait dommage. Mais il y a encore du fer ici. Ah oui, il y a vraiment beaucoup de fossiles, tant mieux, parce qu'on va en avoir besoin de beaucoup. Enfin, au début, pas trop, parce que enfin, ça dépend en fait. En fait, vous allez voir qu'on va analyser les fossiles. Au début, ben, souvent on fait des échecs. Puis, ou alors on peut réussir du premier coup, mais moi quand j'ai commencé en tout cas j'ai fait 3-4 échecs d'analyse avant d'avoir ma première ADN de dinosaure. Donc c'est assez galère au début, mais enfin, ça, on se débrouille assez rapidement. Il faudrait aussi que je trouve c'est du cactus pour le cultivateur. Parce que sans ça, on peut pas faire d'œufs de dinosaure. Donc ce qui est dommage. Récupérer le fer qu'il y a là et sortir de ce tout parce que c'est galère pour bouger. Voilà. J'espère que c'est assez luminescent pour vous. Je vais peut-être monter. Non, bah, on va remonter. Je suis à 22 fer, c'est déjà très très bien. On va s'improviser un escalier par contre parce qu'on est un peu descendu à l'arrache. Un peu le long de la paroi. Voilà. Elle est encore un peu. Parce qu'elle est vachement haute la crevasse, il me semble. Allez. Infinissable. Ah mais j'arrive au premier niveau, j'étais arrivé, donc on devrait peut-être retrouver notre escalier qu'on avait commencé. Il me semble que c'était plus par là. Ah, un fossile. Voilà, c'est ici. Et on va vite rentrer à la maison. C'était par là, il me semble. Ouais. Je vais foutre une torche pour me rappeler que c'est ici la crevasse. Et on va aller mettre à fond de tout ça et on se laissera ici pour le premier épisode, c'est déjà pas mal. On a passé les 20 minutes, je pense. Ouais, allez. On va se taper deux. Allez, 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 allez. Ouais, double kill. Alors, on rentre à la maison tranquillement. On n'est pas encore mort une seule fois, c'est bien. Fier de moi. On va faire fondre tout ça. Voilà.
Et on va se mettre au lit. Et moi, je vais vous dire à très bientôt pour le prochain épisode. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et à très bientôt pour la suite de l'aventure. Salut à tous!